Elle va me protéger. La 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 la. Tu viens? Pas comme ça que tu m'échapperas. C'est censé être amusant. Par les dieux. C'est Shadia qui l'a écrit. C'est elle qui a le registre. Et je l'ai renvoyé auprès de sa mère. Il faut que je trouve Kenut avant les soldats. Oh, Shadia, qu'as-tu fait, petite? Tu n'es pas de taille à jouer avec le crocodile. Tu as vu Kenut? Elle est ici? Les soldats sont venus et l'ont emmenée au phare. Avec Shadia. Kenut a plaidé sa cause, mais ils l'ont pas écoutée. C'est très inquiétant. C'était jamais arrivé auparavant. Va prévenir Otefres. Vite! Ah, Paramon! Kenut et Shadia sont au phare. Il faut que j'y aille tout de suite. Nek! Nek! Decision, Gere.
les dieux, qu'est-ce qu'on a fait? Calme-toi, frère. C'est le crocodile qui l'a fait. Pas toi, ni moi. C'est que ça devait être nécessaire. Oh, il est interdit de venir ici. Mieux vaut aller voir. Shadia. Shadia. Ha ha ha.
Tout est fini. Le crocodile a gagné. Le registre est perdu. Ma fille, ma Shadia. Ce monstre nous a tout pris. Il va payer pour ça. Lui et tous ceux qui le servent. Ça ne nous ramènera pas Shadia. Non. Mais au moins, tu auras la consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. J'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Kenut a pu t'apprendre quelque chose? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers, de grande taille. L'un d'eux était roux. Des bandits? Des soldats? Je crois que c'était des gladiateurs. De l'arène de Crocodilopolis. Apparemment, ce monstre aime faire appel à des combattants. Je vais le trouver, ce monstre, mon ami. Et il mourra.
Mange avec sa bouche. Je ne veux pas que tu joues avec lui. Séni, pardonne-moi, mais je t'ai entendu. Tu as dit quelque chose au sujet d'un homme sauvage. Cela fait des mois que l'homme bête enlève des gens d'ici. Les gens ont disparu. Tu en as parlé aux Filakitai. Ces Filakitai sont des bons à rien. Il y a quelques jours, pas moins de 3 pêcheurs ont disparu. On les a retrouvés en plusieurs morceaux dans l'eau. Et ils n'ont rien fait. Mais on sait qui est derrière tout ça. C'est le vieux fou furieux qui vit là-bas. On le surveille. Les apparences sont souvent trompeuses. Il faut que je parle à cet homme sauvage. Peut-être qu'il est possédé par Sobek. Il est trop fou pour être l'homme bête. Il passe son temps à prier. Sobek mange les victimes avec sa bouche. Il a les dents pointues. Sobek mange aussi. Dans le panier, il y a de la viande pour les poissons. Par les dieux, de la chair humaine. De la chair. Pourrie, gonflée d'eau, et difficile à identifier. Elle vient de l'amont du fleuve. Cet endroit est un véritable abattoir. Mais est-ce de la chair humaine? Tout ce qu'emporte le courant arrive ici. De toutes mes années de Medjay, je n'ai jamais rien vu de tel. Ça vient d'un endroit plus haut sur le fleuve. Peuvent-ils venir? Encore du sang dans l'eau. Il a l'air de provenir de cette grotte. Doivent provenir d'ici. Paravoine. Ces cadavres à moitié dévorés. Oh, et quelle puanteur! Paravoine. Ces cadavres à moitié dévorés. Oh, qui est là? Oh, pitié, venez m'aider! Des coussins luxueux. On dirait les sièges d'une sorte de théâtre. Du bon vin, des rafraîchissements. On prend soin de ceux qui viennent ici. Des coussins luxueux. On dirait les sièges d'une sorte de théâtre. Prêt à fêter. Jess.
Les dieux soient loués. Vite, il faut partir avant son retour. Qui? Qu'est-ce qui se passe ici? L'embaumeur. Il jette des gens aux crocodiles. Ses invités les regardent se faire mettre en pièces. Je devais être le suivant. Calme-toi. Tu ne crains plus rien. Où est-il? Plus rien? Tout le monde est en danger. Il m'a enlevé au marché pendant que je vendais mon poisson. Je fiche le camp. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un soit capable de faire ce genre de choses. Je vais devoir me rendre au marché. L'embaumeur a donné son dernier spectacle. Toutes ces richesses. Cet embaumeur gagne beaucoup d'argent. Ah, Nitraillette. Ne bouge plus. Halt. Les attaques à vue par ici. Κρατήστε ίστι. Αυτό θεηγάρ ξεδεδίδασκον μόν. Φύτεα περιβεβάλλοντα ημών η άστε. Πράβνην η ουρίας παρασκευάσματα του τα ίστι. Τι συμβάνεστε. Έδες λέξον μου. Οι. Απαπαιδεία. Διούνε. Πάρτε. Αλέ. Je ne veux pas le savoir. Je dois organiser un autre spectacle et nous manquons d'appât. Trouve-moi. Un fou. Il ne fera plus de mal à personne. Les dieux s'occupent de ceux qui sont venus voir ces spectacles. Plaisir, comme à chaque fois. Thank you.
Il engraisse tous ses affidés avec les offrandes volées aux pauvres. Pars de mon chemin. Qu'est-ce qui te prend, toi? Oh, afin d'assurer la sécurité de tout sa crocodilopolis, la ségrégation entre communautés grecques. Laissez le passage. Wow. C'est Juliette. À quoi est-ce que tu joues? Hein? La reine des gladiateurs. C'est ici que le crocodile recrute les membres de son armée. Il faut que j'en apprenne davantage. Diovikos, l'incarnation du guerrier. Ses poings sont plus meurtriers que n'importe quelle arme. Hé, Neb, que peux-tu me dire sur les hommes qui se battent ici? Des hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. On n'a jamais vu de guerrier aussi féroce. Pourrait te briser l'échine d'un coup de poing. Ah. Est-ce que l'un d'eux a les cheveux roux? Par tous les dieux, tu n'as jamais entendu parler des frères Gaulois? Tu ne sens pas leurs regards? Leurs statues sont là, derrière moi. Chef, il nous faut d'autres combattants. Ils tombent les uns après les autres. Alors trouve-moi des combattants qui savent se battre. C'est toi le propriétaire? Oui, c'est bien moi. Félix Martialis. Qui es-tu? Encore un de ces bons à rien qui cherchent à devenir célèbre? Je veux seulement entrer dans l'arène. On raconte que l'un de tes combattants est prodigieux. Les cheveux roux. Ah, j'imagine que tu parles des frères Gaulois. C'est exact. Mais je vais te dire une bonne chose, Chamel. C'est beaucoup trop cher pour toi. Alors va-t'en, tu vas faire peur aux vrais clients. Chef, il porte un insigne de Medjay. De mettre quoi? C'est censé m'impressionner. Tu sais te battre? Ça se pourrait, finalement, avec tes airs de... chien pelé. Non, non. J'ai déjà une Égyptienne bien féroce. Une chasseresse de Siwa qui en vaut trois comme toi. Si tu as envie qu'elle te fasse mordre la poussière, va lui parler. Elle est près de l'obélisque à l'est. C'est le seul moyen d'accéder à l'arène. Bats-toi dans la rue et un gladiateur te fera entrer. Alors, les frères Gaulois auraient pris part au meurtre de Shadia. Et pourquoi sont-ils à la solde du crocodile? Je dois accéder à l'arène pour le savoir. Le propriétaire a parlé d'une gladiatrice de Siwa à l'est de l'obélisque. Peut-être que je la connais. Siwa n'est pas grand. Je ferais mieux d'aller voir.
Wow. Partez! Allez! Reine à toi! Aïe! Le meurtre atroce d'un marchand grec dans les taudis a démontré que la sécurité était encore insuffisante. Oui! Le nouveau quartier des divertissements. Voilà cette femme. Mais on dirait... Protège le pilier. C'est ça, crève. Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans le Fayum ? On raconte que c'est un bon endroit pour prospérer, hein ? Mais je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu ? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça ? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire. Ah, Bayek, mon rêve est à portée de main. Si seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de l'arène. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein ? C'est pour ça que je suis au Fayum. Pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de la reine. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts ? Bien. C'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons. Nous irons à la reine demain matin et je ferai les présentations. Ah, je suis heureuse que tu sois ici, mon ami. Oh.
Sigiriet. Le Medjay est de retour. Tu cherches d'autres merveilles? Oui, mais avant... Dis-moi, Reda, où sont tes parents? Une triste histoire, Seni. Un fil à quitaille d'Alexandrie les a surpris en train de voler et les a fait bouillir dans un taureau de bronze. Par Anubis. Je suis navré, Reda. Inutile. Les dieux m'ont pris ma famille, mais ils m'ont donné mon dromadaire, Amon. C'est une bonne monture. Je parcours le désert et je vois le soleil se coucher quand j'en ai envie. C'est ma liberté. Je vois. Comme toujours, ta sagesse dépasse ton âge. Osiris n'entend pas la peine de ceux qui ont le cœur là. Tu veux vendre ou acheter quelque chose, Seni? L'avenir est doré. Chaque année, les Égyptiens meurent de faim par centaines. Où sont Sobek et ses lèches sandales de prêtre? Où est la protection qu'on nous a promise? Qu'est-ce qu'il fait? Il engraisse tous ses affidés avec les offrandes volées en France. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ouais. Au revoir. Scandale de prêtre. Où est la protection qu'on nous a promise? Qu'est-ce qu'il fait? Les prêtres de des chiens de Ptolémée. Ils nous poussent à payer. L'Arconte a été touché. Vite! Laissez le tabou! Bahen Barak! Hanichero! Ayo Hanichero! Laissez le passage! À quoi est-ce que tu joues? Raipes! Afin d'assurer la sécurité de tout sa crocodilopolis, la ségrégation entre communautés grecques... Oui, mais on nous a fascinés. Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Ibère a été mis en pièces par des lions. J'ai peut-être une place pour toi, et si Kensa se porte garante. Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un nom. Que dites-vous des guerriers de Siwa? Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu plus. Allez, entrez. Que les combattants attendent leur tour dans l'arène. Ça sent le sang, la sueur et parfois les excréments. Pour ceux qui ont tendance à faire dans leur armure, c'est ici que ça se passe. Aucun pharaon ni aucun dieu ne pourra te protéger dans l'arène, Medjay.
C'est probablement ici que tu mourras. Tâche de le faire avec panache. La foule adore ça. Si par hasard tu survives au combat, t'auras droit à la célébrité et à la gloire. Et tu pourras toujours mourir au prochain spectacle. Telle est la vie des gladiateurs. Rêve, mais rayonnante. Très bien. Bon, qu'avons-nous là? Ah, voilà Callistos. Callistos, ancien soldat de Ptolémée qui prétend savoir se servir d'une épée. Horus, il a été mon meilleur combattant, mais là je n'épargne personne. Aujourd'hui il ne vaut plus grand-chose, alors il entraîne les débutants. C'est une armure de l'armée de Ptolémée? La plupart des combattants n'ont pas de quoi s'en offrir une. Et puis tu sais bien qu'elle ne dure jamais longtemps. L'armée peut bien se passer de quelques armures, et ça apporte une touche d'authenticité. À propos d'authenticité, tu te battras uniquement avec les armes que je te donnerai. Je ne tolère aucune exception. Tu connais déjà Kensa. C'est sa recommandation suspecte qui t'a ouvert les portes. Bayek, Crocodilopolis accueille un nouveau champion. Ou un autre gros tas de viande en sursis. Je veux savoir s'il sait se battre. Pour en juger, qui de mieux que la grande spécialiste qui l'a recommandé? Ha ha! Qu'en dis-tu? Tu es prêt à faire teinter ta lame, vieux Medjay? Voyons si tu as fait des progrès. Oh, pas mal, vieux Medjay! Pas si vieux que ça! Style manque de classe, mais tu es vicieux à souhait et plutôt efficace pour un chien de sable. D'accord, Kensa. Tu as un nouveau partenaire. Les portes ouvriront bientôt. Soyez prêts! Voilà les miettes que Phoenix va jeter sur notre passage. Ce sera une pitance bien maigre, frère. Je vais te trancher les bourses et te les faire manger. Le principal obstacle à notre gloire, les frères Gaulois. J'en ai entendu parler. T'en fais pas. Tu te sentiras beaucoup mieux après le premier combat. Je vais très bien. Mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu es venu ici. Ça, c'est une longue histoire. J'ai été réduite en esclavage du temps où Ptolémée régnait à Siwa. Une crapule du nom de Septimius et son clan de voleurs avaient des vues sur moi. J'ai réussi à m'emparer d'une épée et à m'enfuir. Je suis arrivée ici et Félix a accepté de m'entraîner. Mais on a assez parlé du passé. Si tu savais comme je suis heureuse de te faire profiter de cette occasion, bientôt la foule te vénérera. Presque autant qu'elle me vénère. Oui, oui. Ensemble, nous fendrons le soleil de nos épées. C'est ce que j'aime entendre. Allons dire à Félix que nous sommes prêts à nous battre. Plus tôt nous commencerons, plus tôt nous serons champions. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Tout le monde se croit prêt jusqu'à ce que le sang et les tripes se mettent à couler. Vous allez débuter contre des novices. Si vous survivez, on aura l'occasion d'en reparler. Deux guerriers, seuls contre tous. La foule aime les combats inégaux. Alors ne décevez pas la foule. Ni moi. Raïe,
c'est Juliette. C'est leur sang qu'ils réclament, ou le nôtre? Peu leur importe, il n'y a pas d'innocence. Ne retiens pas la main. Eux ne se gêneront pas. Tous ceux qui se battent ici connaissent les risques. T'es vite habitué à cette nouvelle vie. Il suffit de les regarder. Ils m'adorent, Bayek. Les hommes, les femmes. J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Pas mal. Bandit des sables ont plus de mordants qu'ils n'en ont l'air. S'offrira à nous, mon ami. Les meilleurs gladiateurs sont envoyés en mission spéciale. Ils gagnent plus d'argent que tu pourras jamais en dépenser. Alors faisons en sorte qu'ils nous remarquent. Pas les frères Gaulois avant d'avoir battu d'autres cargaisons de menace. Votre franc, j'espère que vous réussirez. T'arrêteras peut-être de me casser les noix. Que faut-il faire pour les affronter? Par le sang des dieux, toi aussi? Pensez plutôt à votre prochain combat. Puisque vous me harcelez, je vais vous ajouter des lions, des gros. Je les affame depuis des jours. Vous serez leur dîner. Venez me voir quand vous serez prêts. Si Kensa dit vrai, le crocodile a pu engager n'importe lequel de ses gladiateurs. Je trouverai peut-être... Nous sommes sur la bonne voie. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir me battre contre ces Gaulois. Tout ça grâce à toi. Moi aussi, ça me plairait beaucoup. Mais que sais-tu au sujet de ces contrats dont tu m'as parlé? Oh, Bayek, le justicier, serait prêt à se salir les mains? Les temps ont changé, Seni. J'imagine qu'on ne peut pas rester Medjay éternellement. Tu vas devoir en parler à Félix, mais sois discret. Le meilleur moyen d'atteindre le crocodile est de battre les frères Gaulois. Félix, il paraît qu'on emploie des gladiateurs à d'autres tâches. C'est des rumeurs, et même si les rumeurs étaient vraies, t'es encore loin d'avoir fait tes preuves. Bon travail, espèce de chien galeux. C'est de te battre, rien de plus. L'or se gagne dans l'arène. Ils se gagnent pas ailleurs. Alors j'irai dans l'arène. Nous sommes prêts. Bien. Les propriétaires de l'arène de Sirène s'intéressent à vous. Offrez un bon spectacle, on en profitera tous. Kekou. Pas souvent contre des lions. Seulement quand il tire. Il coûte bien plus cher. Il n'y a aucun honneur à tuer des animaux. C'est tuer ou se faire dévorer? De toute façon, ils sont en cage. Tout ira bien. Du moment qu'on ne les libère pas. Je vais détriper pour ça. Rien ne résiste aux Medjay et à l'esclave. Ils sont plus féroces que...
Les lions devaient être en cage. Il n'y a pas de règles dans l'arène. Seront-ils les prochains ? Où est Kensa ? On a besoin de ses talents ailleurs aujourd'hui. Tu vas devoir te battre tout seul cette fois. Ça va bien se passer. Une autre mission pour le mécène inconnu ? Les combattants trop curieux ne vivent jamais très vieux. C'est un métier qui peut être dangereux. Il y a des accidents. Je ne demande qu'à faire mes preuves. Alors gagne ce combat. T'auras ta chance face aux frères. Si tu les bats, on te remarquera. Ça va s'en tirer ? Par Anubis, il faut que je gagne. Yeah.
désolé de t'avoir laissé seul, mais on dit que tu as fait des prouesses. Félix t'avait confié une tâche. Pour le compte de qui ? Je te dirai tout en temps voulu, frère. Mais sache que notre avenir n'a jamais semblé aussi radieux. T'es bien débrouillé pour un petit rat du désert. Votre heure est venue. La foule en a assez de voir Viridovix et Diovikos écraser leurs adversaires. Je compte sur vous pour renouveler sa ferveur. Encore une chose, pas de mort. Je tiens à garder mes 4 meilleurs combattants en vie. J'ai donné le même ordre aux frères Gaulois. D'accord, nous ne te les tuerons pas. Mais pour ce qui est des souffrances et de l'humiliation... Ça y est, Bayek, notre heure de gloire. On nous construira des monuments et on a... Voici les prétendants à la couronne. Les gardiens.